Bonjour, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et bien voilà, j'ai terminé mon diamond painting. Et alors, je peux vous dire vraiment que j'ai adoré le faire. En plus, ce n'est pas difficile du tout. Il faut juste coller les petits diamants au bon endroit. Donc, il faut suivre le code couleur. Et alors, je peux vous dire que c'est très relaxant. Et une fois qu'on commence à coller ces petites perles, on n'a plus envie d'arrêter. Et ça a été vraiment un bonheur de le faire. Et bon, moi j'ai placé mon diamond painting dans un cadre que j'ai acheté chez Action. Donc le cadre coûte 2 euros. Voilà, donc je ne l'ai pas accroché, je l'ai plutôt mis sur mon meuble comme ça pour vous montrer. Je vous fais un gros plan. Donc en fait, mais ici je ne sais pas si on voit bien, mais en fait il brille avec la luminosité, ça dépend d'où on se met, ça brille. Donc voilà, c'est un bouquet de fleurs. Ici on peut voir que c'est un livre ici où deux roses sont posées. Voilà, donc il est dans un pot. Le diamond painting vient de chez AliExpress, et donc il a coûté 3,40 €. Et aussi, eh bien, ils ont donné assez bien de perles, donc il en reste énormément. Je vais vous montrer ce qui me reste de perles. Donc le diamond painting, c'était un 30 sur 20. Et je vais vous montrer de suite ce qui me reste comme perles. Donc voilà, je vous montre tous les sachets avec le reste de perles. Ils ont vraiment compté très très large. Voilà, il reste quand même tout ça. Donc le diamond painting est terminé, mais il reste assez bien de perles. Parce qu'on a peur qu'on se dit bon, on va peut-être tomber à court. Ben non, franchement, je suis vraiment étonnée parce qu'il reste beaucoup de toutes les couleurs en fait. Ils ont bien vraiment bien fait ça. Voilà. Donc voilà ce qui me reste de toutes les perles. Et bien voilà, j'ai commencé une deuxième toile, et en fait c'est pour vous expliquer comment ça se déroule. Donc voilà ma toile. Ici c'est une autre. En fait je ne savais pas que chez AliExpress, donc il y a des toiles, mais il y a différents fabricants. Donc le premier c'était Yuan que j'avais eu, ici c'est Kanz. Voilà, en fait il y a plusieurs marques chez AliExpress, et ici c'est une 25 sur 30. Donc ici il y a le code couleur. Donc je vais prendre le 4, le numéro 4 c'est rose, mais on ne voit pas bien. Donc ça correspond au sachet 963. Voilà le 963. Donc j'ai mis toutes les petites perles dans ma petite coupelle ici. Donc je prends mon stylet et je prends une coupelle. Je prends une petite perle que je n'arrive pas à prendre, mais que je vais. Donc en fait à chaque fois il faut remettre un peu de silicone pour attraper, mais pas à chaque fois. Donc on sait faire quelques perles, on met un peu de silicone et c'est plus facile pour attraper les perles, mais tout est bien expliqué, tout est bien. Donc voilà, là il n'y a plus qu'à mettre au numéro 4 ici. Donc le rose, le numéro 963 correspond au numéro 4, mais c'est facile à comprendre. Voilà. En fait, alors il faut bien sûr ouvrir, parce que la toile colle énormément, donc il ne faut pas travailler avec un pull qui a beaucoup de petites mimines dans le pull, parce que ça reste collé sur la toile. Donc il faut vraiment travailler petit morceau par petit morceau et ouvrir sa toile au fur et à mesure. Voilà, donc maintenant si vous voulez plus de renseignements sur le diamond painting, eh bien, il y a des vidéos où des personnes expliquent vraiment très bien comment il faut procéder. Voilà, moi je vous dis à bientôt, au revoir!